Bienvenue à cette deuxième table ronde d'aujourd'hui, dont l'objectif est de revenir à la thématique de l'intersectorialité avec des intervenants des domaines très différents et un peu d'avoir votre avis vis-à-vis de l'intersectorialité et aussi de voir comment chacun d'entre vous s'est retrouvé dans un contexte de recherche intersectorielle. Donc je pense qu'on pourrait démarrer cette discussion à partir de la question très générale. Qu'est-ce qui vous a poussé dans votre domaine particulier à entreprendre un projet intersectoriel? Alors, on l'a déjà dit un peu au cours de la journée aujourd'hui. D'une certaine manière, faire de l'intersectorialité, ça implique aller dans un territoire un peu moins confortable. Donc on pourrait chacun d'entre nous rester dans sa propre coquille, d'une certaine manière, dans notre sécurité, dans notre domaine d'expertise. Et donc, par contre, on fait de la recherche intersectorielle. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la recherche intersectorielle et quelle était la valeur ajoutée que vous avez retrouvée dans cette activité intersectorielle? Qui veut commencer? Moi? Oui. Bonjour. D'abord, je m'excuse, j'avais une robe, mais j'ai oublié mes souliers à l'hôpital, donc là, c'est pas ça. Pas de problème. Je suis médecin psychiatre, je suis aussi poète, j'ai écrit plusieurs livres, puis je vous dirais que c'est surtout la nécessité. Je crois qu'il y a une grande faillite actuellement de la médecine occidentale, je m'appuierais sur Canguilhem, qui est un philosophe et historien de la médecine, qui dans un texte très intéressant, « Puissance et rationalité de la science médicale », « Puissance et limite de la rationalité médicale », montre bien que la médecine, pour devenir une science, a un peu finalement mis le patient entre parenthèses. C'est comme si on a fait une médecine sans patient pour avancer dans nos savoirs, puis on a développé de grandes techniques, de grandes réalisations en médecine, mais ça fait que le patient a été mis un peu de côté. Et je crois que par la littérature, par les arts, c'est un peu cette idée de réintégrer la dimension subjective du patient qui est particulièrement importante en psychiatrie où on n'est pas aussi avancé que dans d'autres domaines de la médecine. On est un peu au 19e siècle, la cardiologie. Donc, on n'a pas le choix que le patient soit là, de tenir compte de son histoire, de l'écouter. C'est aussi un métier du langage, comme la littérature. Donc, pour moi, c'était une façon d'être à l'écoute autrement, puis aussi de transmettre une autre vision de la médecine. Je reconnais toutes les avancées de la science, mais je crois qu'actuellement, pourquoi les gens vont vers les produits naturels, pourquoi il y a de plus en plus de critiques envers les médecins, c'est que les patients ne se sentent pas écoutés. Et je pense que n'importe qui a eu des expériences dans le système de soins peut reconnaître certaines de cette dimension. Donc, moi, c'est vraiment par la nécessité. L'autre chose, j'avais préparé un petit poème de Saint-Denis Garneau qui définit un peu pour moi c'était quoi l'intersectionnalité puis qu'est-ce que ça m'apporte. Oui, et donc, il écrit « Je ne suis pas bien du tout assis sur cette chaise et mon pire malaise est un fauteuil où l'on reste. Immanquablement, je m'endors et j'y meurs. Mais laissez-moi traverser le torrent sur les roches par bon quitter cette chose-là pour celle-là. Je trouve l'équilibre impondérable entre les deux. C'est là, sans appui, que je me repose. » Et moi, c'est vraiment dans cet espace entre les deux que je me repose, que je trouve sens à mon métier de psychiatre. C'est un peu, ceux qui connaissent un peu Winnicott, qui est pédiatre, psychanalyste, parle d'un espace transitionnel. Donc, pour moi, c'est un peu la possibilité d'être à la fois psychiatre et non-psychiatre, d'être à la fois poète et non-poète. Moi, je voudrais vous amener une perspective un peu différente. Moi, je suis vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études, donc je m'intéresse particulièrement à la formation. Et je voudrais vous amener sur le terrain de l'importance de former les étudiants au travail en intersectorialité. Bien sûr, on parle de recherche, donc on va parler de la formation à la recherche et de l'importance d'exposer les étudiants à ça dans la formation à la recherche, mais aussi dans la formation professionnelle, que ce soit en médecine ou dans tous les autres secteurs professionnalisants et dans tous les secteurs vraiment. Je pense que si on veut former les étudiants aujourd'hui pour qu'ils soient mieux en mesure d'intervenir dans tous les secteurs, il faut leur apporter cet angle de l'intersectorialité ou l'interdisciplinarité de façon plus large.
Alors, moi, je suis historien de l'art de formation, je suis spécialiste de la Renaissance et du Baroque. Et aujourd'hui, c'est très intéressant pour moi d'écouter tout ce qui se dit, puisque mes objets d'étude sont profondément appels à l'intersectorialité. Je travaille essentiellement sur les jardins. Donc, l'approche que j'ai des jardins nécessite une approche intersectorielle à partir du moment où je me pose des questions qui dépassent une histoire de l'art peut-être déjà un petit peu datée, c'est-à-dire une histoire de l'art qui s'intègre dans l'histoire de la culture. Et donc, mes projets de recherche tournent autour de questions comme la présence de l'astronomie dans les jardins, la question thérapeutique, toute une série en fait de problématiques qui soient scientifiques, elles soient également poétiques, et qui m'incitent à regarder le jardin et ses objets avec un regard nouveau. Donc, c'est un champ extrêmement vaste. Et c'est un champ aussi qui n'a pas eu de véritable assise institutionnelle. Et je pense à cause, justement, qu'il appelle la nécessité d'une variété de spécialisation. C'est assez intéressant de constater qu'aujourd'hui, peut-être, en tout cas, je m'y emploie, de faire, par exemple, d'un champ comme l'histoire des jardins, un champ qui ouvre, par exemple, pour les étudiants, à une véritable réflexion intersectorielle. Bonjour, mon nom est François-Joseph Lapointe. Je suis au département de sciences biologiques, mais pas que. En fait, je pense que j'ai toujours été intersectoriel, comme tous les TDAH. J'étais sur l'équipe canadienne d'athlétisme, donc je ne faisais pas de javelot, mais j'ai couru contre Ben Johnson. J'étais sprinteur, donc c'était ça mon rythme. Mais j'étais musicien et chanteur dans un groupe punk à l'époque aussi. Donc, j'étais destiné pour le sport et les arts. Et pourtant, j'ai fait des études en biologie, où j'étudie l'évolution de la vie, la phylogénie, l'évolution du vivant. Mais ce choix-là qu'on m'a imposé quand j'ai commencé mes études universitaires était comme une frustration entre ma curiosité extrême. Et après 15 ans de recherche en biologie, j'ai commencé un doctorat en études et pratiques des arts en danse, donc de retour au rythme encore. Donc mes projets intersectoriels maintenant mélangent l'art et la science, qui est, je définis moi l'intersectorialité de deux façons, un peu comme les forces électromagnétiques. Il y a l'intersectorialité dure et l'intersectorialité faible. Et art et science, c'est certainement ce qui est le plus dur comme intersectorialité. Donc j'essaie, dans le cadre de mes travaux qui allient biologie, danse, art et performance, de faire le lien entre les deux. D'accord. Donc je pense que vous n'avez pas besoin d'être convaincu que l'intersectorialité vous a amené quelque chose au-delà de la discipline particulière. En même temps, il semble clair, mais chacun d'entre nous fait du travail intersectoriel, qu'il y a quand même des défis importants derrière. Les premiers défis qui me viennent déjà à l'esprit, c'est le défi parfois du langage. Donc on a des disciplines différentes, il faut trouver une sorte de lingua franca entre les différentes disciplines pour pouvoir communiquer la même information, pour pouvoir aussi s'accorder autour des mêmes questions. Je pense par exemple à la recherche qu'on fait dans notre domaine, dans le domaine un peu des arts et des sciences. La musique est un domaine, intersectoriel par définition. Alors comment est-ce que vous avez pu faire face à ces défis déjà de langage, et peut-être qu'il y a certainement d'autres défis que vous avez auxquels vous avez dû faire face pour ensuite avoir un fruit de ce travail intersectoriel? Moi, l'objet même de votre question, c'est une question de recherche. C'est-à-dire, par exemple, en ce moment, je réfléchis avec des collègues des universités de l'UQAM et de Laval, un projet qui s'appelle les langages partagés de l'art et de la science, la période donc Renaissance baroque, 16e-17e siècle. Justement, c'est la question qu'on pose, parce qu'elle est essentielle à tout travail, on va dire, subséquent sur cette question d'une intersectorialité qui a existé, pourquoi elle a existé. Donc, il s'agit d'identifier finalement des points de contact qui vont justement permettre de mieux penser cette manière de penser art et science de manière
véritablement très différente qu'elle l'a été par la suite dans les siècles, en particulier à partir du 19e siècle et aujourd'hui du 20e siècle, hyper spécialisation et tout ça. Alors il y a des choses qui sont intéressantes, par exemple le concept d'ingéniosité, il est absolument fascinant, et l'idée même donc, d'ingéniosité, c'est-à-dire dès la fin du 15e, 16e siècle, qui est définie comme la capacité de établir des relations entre des objets hétérogènes pour faire surgir quelque chose de nouveau. Je vois, c'est exactement ce dont on parle et ce qu'on, je crois, essaye de faire, par exemple, aujourd'hui. Et c'est un concept extrêmement puissant qui est très, très développé. Il y a d'énormes pavés de 600 pages écrits sur cette question-là. Donc, c'est vraiment un sujet, un champ de recherche en soi. Mais c'est une manière très intéressante, l'ingéniosité, de ramener des champs aussi variés que les sens de l'ingénierie, évidemment, que la poésie, que l'art, et un peu tout, d'une certaine manière. Et la poétique et la rhétorique étant aussi au cœur de cette question. L'ingéniosité, c'est la puissance de la métaphore, ce déplacement hein, d'un point de vue à un autre. Donc voilà, pour moi, ça, ce sont des questions très opérantes et qui résonnent très fort avec moi quand je vous entends parler, par exemple, sur des choses que j'ai beaucoup de mal à comprendre à côté de ça. Mais, voilà. Mais je rebondis un peu sur ces points. Est-ce que pour vous, évidemment, ça devient une question, un objectif même, de trouver ces langages communs? Mais est-ce que pour certains d'entre vous, la différence des langages était un élément bloquant à un certain moment, dans lequel vous vous êtes dit, ben, là c'est le moment dans lequel ben, c'est sûr qu'on n'arrivera jamais à faire une intersectorialité sur cette thématique parce qu'on ben, ne se parle pas, simplement. Tout à fait, certainement. Et on voit dans la salle ici que certaines personnes ont des écouteurs pour une traduction simultanée. Donc, je ne crois pas à la lingua franca, moi, je ne crois pas à ce langage commun. Je crois à des individus polyglottes, des individus bilingues, multilingues, qui sont capables de passer d'un domaine à l'autre et qui sont ces individus ingénieux, que moi j'appelle les intercesseurs entre deux cultures, entre deux mondes, qui vont traduire ce qu'un artiste essaie de dire en langage scientifique, ce qu'un scientifique essaie de dire en langage artistique, ce qu'un ingénieur veut dire un designer, ce qu'un médecin va dire un sociologue. Donc, tous ici réunis sur scène, et la plupart d'entre vous, et c'est donc très important dans la formation qu'on ajoute ces petites doses de formation qui n'est pas purement en silo, pour que les gens s'ouvrent à d'autres domaines et qu'ils deviennent un peu ces intercesseurs, ces traducteurs, ces médiateurs-là, plutôt que de chercher un langage commun, mais plutôt un mode de communication, de transmission de ces informations-là. Ben, n'empêche que ce que vous dites implique quand même qu'il y ait des individus qui aient un rôle un peu pivot, qui permet effectivement de faire ces passages des communications. Donc, est-ce que vous pensez que c'est... Bon, là, on se projette en termes de formation dans plusieurs années. Est-ce que vous pensez que ben, le chercheur dans 10 ans, standard, entre guillemets, sera intersectoriel grâce à une formation qui peut nous pousser vers l'intersectorialité? Ou c'est quand même quelque chose qui est, l'avantage d'une élite, des intersectoriels, entre guillemets? Peut-être je partirai un petit peu de votre question initiale, de la question des défis. Pour moi, le défi, c'était plus au niveau de la double vie. C'est-à-dire que moi, mon métier, c'est de voir des patients. Puis là, il fallait que j'intègre aussi une deuxième carrière à temps quasi plein aussi. Donc, il y a cette question du temps. Puis effectivement, ce n'est peut-être pas réaliste que ce soit disponible à tout le monde. Par ailleurs, je crois qu'il va y avoir une nécessité au niveau disciplinaire d'intégrer d'autres savoirs. Je pense à la psychiatrie où moi, j'ai fait toute ma spécialité en psychiatrie sans que j'ai aucun un cours sur qu'est-ce qu'une maladie mentale. Il a fallu que j'aille faire des études en philosophie de la psychiatrie pour me pencher sur cette question, ce que j'ai fait. Mais à la réflexion, ils se sont aperçus dans le cursus. Puis de plus en plus, je pense que la médecine se pose beaucoup de questions. Et d'intégrer justement des cours qui abordent ces questions-là, qui sont abordés actuellement plus en philosophie de la psychiatrie. Donc, je pense qu'il y a aussi une demande qui émerge aussi de la pratique où il y a une certaine incomplétude ou insatisfaction aussi, parce que c'est pas normal d'être psychiatre puis pas savoir ce que c'est une maladie mentale. Hein. Mais je peux diagnostiquer tout le monde, mais le concept m'échappe. Donc, je pense que ça surgit de la pratique également. Là.
Je pense qu'on ne pourra pas demander à tout le monde de devenir des intersectoriels. Je pense qu'il y a des gens qui seront intersectoriels, qui auront des doubles formations, médecine, philosophie ou sciences biologiques et arts. Ça ne peut pas être demandé à tout le monde, d'où l'importance d'avoir ces traducteurs qui vont pouvoir faire le lien entre les deux. Par contre, ce qu'on doit apprendre aux étudiants, c'est l'ouverture. L'ouverture pour écouter ce que l'autre a apporté de sa perspective, qui peut être très, très, très différente de celle qu'on disciplinaire purement. Alors, est-ce que je pose une question un peu plus provocatoire, justement en rebondissant sur ces points. On parlait ce matin un peu de la question du savoir spécialisé. Donc, il y a beaucoup de spécialistes dans différents domaines de la science. Évidemment, devenant intersectoriel, eh bien, une journée à 24 heures. Donc, il faut d'une certaine manière mettre en péril, peut-être, le fait de se spécialiser, de continuer à se spécialiser dans un domaine particulier. Comment est-ce que cette tendance vers l'intersectorialité mettrait en danger le savoir spécialisé? Est-ce que c'est quelque chose qui est incompatible? Vous pensez qu'on peut quand même trouver, les deux choses peuvent être en bon arrimage? Moi, je pense que... D'abord, d'un point de vue très pratique, ça dépend à quel stade de la carrière on se trouve. Ouais, mais ça, c'est une question. Il y a un temps pour engranger ce qui va faire de nous des spécialistes et d'avoir, je dirais, un semblant d'autorité pour parler de ce qu'on connaît un peu. Et puis, il arrive un moment, effectivement, où je pense, surtout quand on a le confort d'une position institutionnelle, on peut se permettre de prendre un peu plus de risques, parce qu'effectivement, il s'agit d'une forme de prise de risque. D'accepter d'arriver à des questions sur lesquelles on ne sait rien. Cela dit, il me semble que derrière ça, il y a quelque chose qui est fondamental et que tout le monde partage ici, c'est le modèle collaboratif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne sais pas, où je n'ai pas de réponse à la question que je me pose, l'idée est d'aller poser la question à quelqu'un qui est censé mieux savoir que moi, et généralement on le trouve assez facilement, en tout cas pour ce qui me concerne. Donc c'est cette manière peut-être de construire l'échafaudage scientifique, peut-être de manière moins compartimentalisée. Pour reprendre mon exemple des jardins, il y a des choses que je ne comprends pas, et il faut que j'aille demander l'expertise de gens qui sont capables de m'expliquer, et c'est à partir de ce dialogue-là, de la construction ensemble de cette connaissance, je pense qu'on parvient à des résultats qui sont plus riches que simplement publier, on va dire, deux articles séparément sur la même étagère, pour le dire de cette manière. Donc, effectivement, je crois que c'est un défi, mais c'est aussi l'importance de travailler ensemble. On parlait tantôt de l'académie, du modèle académique, qui, au départ, est profondément marqué par cette question de la du rassemblement, du partage. Voilà. Pour rebondir sur l'intervention précédente, non, il est impossible que tout le monde soit intersectoriel. En biologie, dans un système de chaîne alimentaire, il y a des généralistes et des spécialistes. Donc, on a besoin de spécialistes, mais on a besoin aussi de généralistes. Et j'aimais bien la métaphore de Stephen Strogatz et son modèle de réseau. Dans un réseau, il y a des hubs, il y a des nœuds, il y a des correspondances, et ces hubs-là, c'est ceux qui permettent de faire le lien, peut-être des généralistes, entre des spécialistes. Et donc, pour moi, il y a deux modèles différents. Il y a un modèle, est-ce que les individus doivent être des intersectoriels ou non? Et est-ce que les projets de recherche doivent être intersectoriels ou non? Dans un projet de recherche intersectoriel, ben, on va s'adjoindre à des collaborateurs qui sont des spécialistes dans leur domaine, mais je crois très fortement qu'il faut qu'il y ait des médiateurs et des intersecteurs pour aider à la diffusion du savoir dans ces cas-là. Nous, ici, on est des individus intersectoriels qui, des fois, faisons deux choses à la fois. C'est pas la même chose que de mettre ensemble un psychiatre et un poète qui vont faire un projet commun. Donc, dans un cas, c'est un projet qui est en convergence, dans l'autre cas, c'est des projets qui sont plutôt divergents. Donc, il faut bien savoir, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui nous intéresse et de qui on a besoin comme ressources pour que le projet arrive à terme. Mais pour moi, votre question soulève, dans le fond, l'importance des réseaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas des êtres, on n'a pas créé le monde en 7 jours, puis on ne va pas le faire. Donc, l'important aussi d'avoir d'autres partenaires, d'autres gens qui ont d'autres perspectives, qui vont justement
amener de l'eau à notre moulin, notre propre moulin intersectoriel. Je pense que c'est central. L'autre chose que je dirais, c'est sûr que moi, j'ai une pratique. Donc, la médecine, c'est à la fois une discipline, une science, mais c'est aussi beaucoup un art, une pratique. Et je pense qu'on a beau être l'hyper spécialiste du trouble dysthymique ou de la maladie bipolaire de type 2, ben, il faut qu'on ait un savoir de base générale sur comment on peut accompagner un patient, comment on dit un diagnostic, comment on réagit à la mort. Donc, c'est des questions qui habitent notre discipline, qui sont des questions générales, même si on est un spécialiste. Je voudrais ajouter aussi, bien sûr, la question du langage et de la culture disciplinaire, mais avant ça, il y a la question de la rencontre. Il faut aussi créer les opportunités, les occasions de rencontre pour que les gens des différents secteurs puissent même penser à travailler ensemble et à commencer à se comprendre. Et ça non plus, c'est pas si simple, parce que nos structures sont bâties en silos. Et donc, des journées comme aujourd'hui sont des occasions de rencontres extraordinaires, mais il faut créer ces occasions de rencontres. Ça, c'est particulièrement important aussi, si on veut que les collaborations intersectorielles puissent se développer. Je vais rebondir sur un de vos points tout à l'heure. Donc, on parlait du niveau de carrière aussi. Donc, évidemment, c'est peut-être plus facile d'être intersectoriel quand on a notre poste permanent à l'université. Ensuite, on peut être même cadre et sectoriel. Je veux dire, on a un certain degré de risque qu'on peut prendre parce qu'effectivement, on sait que notre position est, d'une certaine manière, elle est là. Ça devient plus compliqué lorsqu'on est au moment de la formation des étudiants dans lequel, en fait, auquel nous, on impose quand même un savoir qui est plutôt spécifique. Donc, un étudiant dans mon laboratoire, il doit publier dans un domaine particulier, même si le domaine de la musique est quand même très transsectoriel, disons, sui generis, mais quand même, nous, disons, l'éducation et la formation des étudiants va vers une sectoralisation de l'activité scientifique. Et ma question pour vous, c'est comment est-ce qu'on peut aller au-delà de ces paradigmes en silo, au niveau, à partir de tout le début, et jusqu'au point où la frontière se situe. Parce qu'il y a un moment dans lequel, évidemment, on met l'étudiant dans une situation, l'étudiant, les doctorants, ensuite les post-docs, dans une situation de risque. Parce que quand même, dans un monde dans lequel on cherche, ils vont chercher des postes sur le job market, mais ils vont avoir quand même des demandes qui sont bien spécifiques, parfois dans un domaine particulier. Comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre ces besoins, cette importance des formations de tout le début vers une intersectorialité, mais sans mettre en danger ensuite le futur des jeunes chercheurs en début de carrière? Question compliquée. C'est le plus gros défi. Oui, c'est le plus gros défi. Ma collègue mentionnait qu'il y a juste 24 heures dans une journée. C'est peut-être la seule réalité pour nous tous. Moi, j'ai deux CV. Et selon si j'applique au CRSNG ou au CRSH, j'utilise un CV ou un autre CV. C'est ridicule. C'est le même individu qui fait tout ça. Les comités d'évaluation ne peuvent pas juger si c'est plus important d'avoir un article scientifique ou une exposition dans un musée. Quand on a les deux, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, je comprends mes jeunes collègues qui me disent « mais je ne pourrais pas faire ça ». Parce que quand je vais demander ma promotion, on va me dire « oui, mais le recueil de poèmes que tu as écrit, c'est un article de moins que tu as publié. » Et puis, le collègue d'à côté qui va demander sa promotion en même temps, lui, il a trois articles de plus. Donc, on va lui accorder. Donc, il faut remettre en cause ce mode d'évaluation-là, créer des nouvelles métriques de succès. C'est complexe dans un système universitaire où il y a des départements qui sont dans des facultés. Donc, je ne sais pas quelle est la réponse à ça, mais c'est, d'après moi, le plus grand défi. Si c'était simple, ça serait. C'est effectivement un défi important. Je pense que minimalement, notre responsabilité, puis ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est d'exposer les étudiants. Par la suite, selon les projets dans lesquels ils sont impliqués, il peut y avoir différents degrés d'intersectorialité qui se développent, et puis il y a des gens qui vont devenir eux-mêmes intersectoriels. Mais la responsabilité pour l'ensemble des étudiants, je pense, c'est de les exposer à ces réalités-là pour qu'ils puissent plus tard, selon la carrière qu'ils vont développer, travailler en intersectorialité ou moins. Mais je pense que tout le monde a besoin d'un certain niveau aujourd'hui là, face aux enjeux complexes qu'on a à traiter.
Non, en histoire de l'art, je pensais à ça pendant que vous étiez en train de parler de ces difficultés. Pour une touche positive aussi, oui. Je veux dire que les champs sont aussi en train de se reconstruire, se renouveler de manière, pour moi, assez positive, c'est-à-dire très ouverte par rapport aux nouvelles approches. Nous, en histoire de l'art, on a des étudiants qui travaillent sur le son, sur la musique, sur toute une série de choses qui n'auraient pas été véritablement acceptées dans un département d'histoire de l'art il y a encore 10-15 ans. En tout cas, on les voit de plus en plus. Donc, en ce sens, le danger pourrait être qu'une discipline peut-être perde son focus. Je ne pense pas que ce soit nécessairement le cas, parce qu'on a des méthodes aussi, et puis on a des objets sur lesquels on tente de former nos étudiants. Moi, je reste convaincu que ce qui distingue un historien de l'art, peut-être d'un autre chercheur, c'est sa capacité à analyser les images en particulier, à savoir bien regarder, ce qui est très très compliqué. Et ce qui d'ailleurs est très utile pour toute une série d'approches scientifiques au-delà de l'histoire de l'art. Donc garder ce cap, mais effectivement je constate quand même quelque chose de quand même plus inclusif. Le défi étant effectivement l'intersectorialité, c'est un défi supplémentaire. Donc les étudiants qui réussissent par exemple à finir une thèse qui a cette dimension-là, je pense seront très attractifs, seront forcément appréciés, mais il faut le réussir, hein, c'est beaucoup de travail. Mais peut-être, c'est sûr que je pars toujours de la médecine, là, c'est ça dans quoi je baigne, mais peut-être qu'il faut commencer aussi à penser les disciplines de manière intersectorielle, c'est-à-dire que la médecine en soi, c'est à la fois une science et un art, et je crois qu'on enseigne très bien la science médicale, mais on enseigne très peu l'art de la médecine, et je crois que de voir cette, la discipline elle-même comme un champ qui est d'emblée intersectoriel, et qui l'est là, pour ce qui est de la médecine, là, parce que voir un patient, c'est très différent de disséquer un foie, donc je pense que de la voir comme ça et aussi avoir des modèles, des gens qui peuvent le transmettre comme ça, qui ne sont pas simplement des techniciens du foie ou des techniciens du cerveau, mais qui sont des soignants, des gens qui sont capables d'accompagner un patient dans la mort. J'ai peut-être une piste de solution qui n'est peut-être pas applicable à tous les domaines, mais le modèle de mémoire ou de thèse en recherche-création en est un qu'on voit de plus en plus dans différentes disciplines et qui permet donc d'allier l'aspect recherche, qui est très académique, et l'aspect création. Donc, c'est-à-dire si l'étudiant doit avoir deux rendus, un rendu qui est plus artistique et un rendu qui est plus académique, si on veut. Donc, ça existe en musique, ça existe en littérature, ça existe en cinéma, ça existe en... Pourquoi ça n'existe pas dans des disciplines scientifiques? Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une recherche-création en biologie, une recherche-création en physique, une recherche-création en droit? J'aimerais que l'université, et peut-être qu'il y aura un étudiant ou une étudiante par année qui vont s'inscrire dans ce parcours-là, mais pour moi, c'est une piste de solution. Oui. On offre des parcours de formation individualisés, des maîtrises ou des doctorats individualisés qui permettent de réunir des choses qui peuvent sembler éloignées d'emblée. Mais c'est vrai que pour les étudiants, puis moi aussi je trouve que c'est un parcours extraordinaire, pour les étudiants, ça demeure pas facile. Parce qu'ils n'ont pas un feu et un lieu où se rattacher. Ils sont un peu pris, et cette notion-là d'avoir un feu et un lieu me semble importante aussi. Il faut qu'il y ait un groupe, minimalement, où l'étudiant peut se retrouver avec des collègues pour échanger sur ce qui lui ou elle l'intéresse. Et donc, dans un contexte comme ça, oui, c'est super intéressant, mais il faut s'assurer que notre étudiant soit bien entouré. En fait, le cadre un peu typique actuellement, prenons l'exemple des projets Audace, oui, qui sont un bon exemple pour fournir un cadre, disons, institutionnel et structurel, qui relie des institutions, enfin des secteurs différents. Ouais. Et en même temps, moi, déjà par moi-même, en ayant côtoyé des étudiants qui faisaient partie des projets Audace, je pense qu'il y a une grande valeur ajoutée de se sentir partie de deux laboratoires différents, de deux secteurs différents. Et donc, je pense qu'il y a quand même une valeur ajoutée évidente au cours de la recherche de ces étudiants et de la formation de ces étudiants dans ces cadres. C'est une grande richesse pour la formation, bien sûr.
Mais je voulais peut-être juste ajouter, peut-être qu'il faut aussi davantage valoriser certains savoirs, certaines disciplines qui ne le sont moins dans le système universitaire actuel. Pour moi, un recueil de poésie, ça en dit autant, c'est beaucoup plus en fait sur la souffrance humaine que le manuel diagnostique des troubles mentaux. Donc, il faut reconnaître ça ou qu'un article sur la dépression. Mais dans un CV, effectivement, ça ne sera pas reconnu. Et pourtant, c'est un savoir. Ça nous dit quelque chose de l'expérience humaine de manière plus intime, plus profonde. Et comme médecin, c'est à ça qu'on est confronté. C'est des expériences incarnées, c'est des souffrances subjectives. Ce n'est pas le DSM qu'on rencontre chaque jour. Non, c'est une autre façon de rencontrer le public. Mm-hmm. Parce que DSM, c'est des médecins ou des psychiatres, oui, c'est des psychologues qui vont lire ça. Le recueil de poèmes, c'est le public en général. Oui. Donc, on pense des fois, les chercheurs universitaires sont dans une tour d'ivoire. Mm-hmm. Et moi, c'est ce que l'art m'a permis de faire, c'est de toucher un nouveau public, des fois beaucoup plus intéressé que mes proches collègues. Et je me sers de cette discipline-là pour parler d'enjeux scientifiques. Donc, pour parler de santé mentale par l'entremise de la poésie, je présume que c'est une autre façon de le faire aussi. Donc, il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est une des retombées. C'est qu'on parle à des gens qui, normalement, ne seraient pas nos interlocuteurs premiers. D'accord. Ouais. Du point de vue historique, ces questions-là me font penser qu'il y a aussi une histoire de la manière dont on a pensé la science. Et voilà, quand j'entends parler de la question thérapeutique, de la marche, du mouvement, de la danse, de la poésie, finalement je pense à des modèles historiques qui étaient très constitués, très bien constitués, et qui ont donné d'ailleurs leur nom à nos propres institutions, hein, académie, gymnasium, agora, on les retrouve partout, mais on en a perdu peut-être un tout petit peu l'essence, et il me semble que par exemple l'intérêt d'une discipline comme la mienne, ce serait peut-être de nous rappeler que ces choses-là étaient des choses qui étaient parfaitement intégrées, mais qu'une peut-être une certaine construction de l'idée de science qui est en train peut-être d'être déconstruite aujourd'hui a fait qu'on a peut-être perdu de vue l'importance pour un étudiant de marcher d'un lieu à l'autre, de l'importance pour des patients de voir du vert voilà, de déclamer de la poésie quand on a des troubles mentaux, etc. etc. Voilà. Or, ces choses-là sont parfaitement intriquée et très bien exprimée dans la poésie classique, par exemple, ou dans l'art. Le javelot, on le voit déjà sur les vases grecs, et fait appel à un travail non seulement du corps, mais aussi de l'esprit, et ces choses-là étaient parfaitement imbriquées. Donc voilà, ne jamais sous-estimer l'histoire. Excusez-moi, Tufti. Alors, peut-être avant de donner la parole au public, s'il y a quelques questions, disons, pour les intervenants, j'avais une autre petite question que je voulais vous poser, qui d'ailleurs m'a touché moi-même dans le cadre de certains projets intersectoriels. Je voulais savoir votre avis à ces sujets. Alors, dans le cadre des projets intersectoriels, parfois, on engage aussi les secteurs privés. Donc on peut avoir des compagnies, on peut avoir des start-up externes, il y a de plus en plus en fait qui sont intéressés parfois par notre projet de recherche et avec lesquels on a un intérêt commun. Donc on peut trouver un terrain commun pour développer un projet et ça peut être financé dans le cadre des cadres de financement qu'on connaît. Par contre, les problèmes qui se posent en tant que personne au milieu académique, c'est la question de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire, nous, on génère une propriété, un savoir intellectuel qui est le nôtre, selon certaines règles, selon certaines traditions. Et ensuite, on se retrouve dans un contexte dans lequel ces savoirs sont partagés avec une entité extérieure qui voudrait peut-être s'approprier de cette propriété intellectuelle. Est-ce que certains d'entre vous, et je trouve que c'est un élément parfois bloquant, dans l'avancement scientifique, lorsqu'on collabore avec le domaine privé. Je vous donne un exemple très simple, très trivial, que peut-être chacun d'entre vous a connu. Eh bien, on a obtenu des résultats merveilleux au niveau de notre laboratoire, et on voudrait publier ces résultats. On a interagi avec une start-up, une compagnie privée, qui nous dit « Ah, très bien, on voudrait faire une exploitation technologique de ces résultats. » Ben nous, on voudrait publier les résultats. Et en même temps, la compagnie nous dit, on voudrait en faire un brevet. Et le brevet va suivre des règles qui sont complètement différentes. Donc, on doit mettre, on,
on pose notre contribution scientifique pour la collectivité, simplement parce qu'effectivement, on doit répondre aux exigences qui lient notre création à la propriété intellectuelle, à une propriété intellectuelle externe. Alors, c'est juste un exemple pour dire que ça nous pose... Alors, l'intersectorialité est très intéressante, mais ça nous, parfois, surtout quand on collabore avec les milieux privés, ça nous pose des contraintes, parfois même éthiques et intellectuelles, vis-à-vis de notre travail académique. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a eu quelques expériences à ces sujets? Est-ce que vous pensez que c'est un défi ou simplement c'est une question de différents temps et coordination avec le secteur privé qui peut être impliqué dans ces projets? Peut-être que personne d'entre nous n'avons eu... Alors peut-être que je suis le seul. Et on a des balises quant à la propriété intellectuelle, ouais, à l'université. Bon, après, il y a toujours des questions de discussion, de négociation, mais je pense que l'important, c'est de consulter les experts, ouais, en la matière, si jamais il y a des enjeux qui se présentent. Parce qu'un chercheur tout seul, ou même au sein d'une équipe qui n'a pas une formation et qui n'est pas bien ferré en matière de propriété intellectuelle, c'est vrai que ce n'est pas simple. Et c'est un élément qui est bloquant. C'est pour ça que je voulais le mettre sur la table, parce qu'effectivement, ouais, dans le travail intersectoriel, on peut engager des partenaires privés, on nous le demande de plus en plus, ça va dire. Et donc, c'est quand même un élément qui peut ralentir le processus. Pas uniquement les partenaires privés, ça peut être des partenaires communautaires, des OSBL, absolument, qui, à ce moment-là, ben, n'oublions pas qu'on est financé par des fonds publics. Donc, moi, je suis pour la circulation du savoir. Donc, les privés, je n'ai jamais eu d'occasion de travailler avec eux, mais c'est des enjeux aussi avec des partenaires communautaires qu'on doit soulever quand même dès le début d'une antenne de collaboration. Alors, si vous n'avez pas d'autres points à discuter, peut-être qu'on va laisser la parole aux intervenants. Alors, je vais tout de suite rebondir là-dessus, autour de la propriété intellectuelle. Ça, je me sentais un petit peu concernée. Mais après ça, je vais souhaiter que vous rebondissiez sur un autre élément. Alors, autour de la propriété intellectuelle, moi, je nous engagerais à penser de manière créative. Et on a ici à Montréal une approche avec nos collègues de McGill, mais je pense avec globalement une approche à la propriété intellectuelle qui s'intègre dans une vision de science ouverte et d'innovation ouverte, qui change les règles du jeu, qui amène à créer de nouvelles relations et à diminuer la pression sur l'improbable big win qui va faire qu'on va tout bloquer comme interaction, dans l'espoir que peut-être une fois dans un million, on va faire un retour qui va financer nos universités pour toujours. Ça n'existera pas, ça. Et on a construit notre environnement d'appui à l'innovation en ne tenant compte que de l'improbable. Alors, il y a de la place à l'improbable, mais il y a aussi, je crois, une nécessité qu'on s'ouvre vers d'autres modèles d'appui à l'innovation et à la valorisation qui seront beaucoup moins bloquants à des approches plurielles comme ce que l'on discute aujourd'hui. Par contre, j'aimerais revenir en arrière parce que je vous entendais parler et puis je me demandais, est-ce qu'on se bloque nous-mêmes en lien avec l'intersectorialité en voulant être nous-mêmes, membres de la communauté universitaire, des gens qui vont nourrir la bête universitaire? Plutôt que de se poser la question, est-ce qu'on ne devrait pas être au service du savoir qui a le plus grand impact dans la société et moderniser nos structures et nos processus de telle sorte que on soit au service du plus grand impact dans la société. Ça m'a beaucoup touchée quand on a parlé de ces notions d'académie, d'agora, parce que ça nous ramène à il y a des millénaires, mais où il y avait cette notion de partage du savoir, de communication, de dialogue, que dans une vision très spécialisée, on tend peut-être dans nos processus à oublier. Et on ne forme pas que des chercheurs, on forme parfois par la recherche, mais on forme des gens qui auront un impact diversifié dans la société. Et on souhaite qu'ils aient de l'impact, puis on souhaite qu'ils soient heureux. Alors, est-ce que nous sommes, milieu universitaire, sommes-nous notre pire ennemi?
Bien, moi, si je peux me permettre, moi, ce que j'aime beaucoup de la médecine, c'est que ça nous met les pieds dans le bain. Là. Fait que moi, je ne suis pas à l'université, je suis à l'hôpital, je vois des gens qui souffrent. Puis ça fait qu'à choisir, si je dois, on me demande si je dois écrire des poèmes pour une revue ou si je dois écrire un article pour telle publication scientifique, bien, j'hésite pas. Hein. Moi, c'est les poèmes. Je pense qu'ils ont beaucoup plus d'impact, ils sont plus proches d'une certaine vérité que n'importe quel article. Mais c'est sûr que dans mon CV, j'ai énormément de publications littéraires, puis ça fait que j'ai moins d'articles, mais j'ai la chance d'être dans une structure qui ne met pas l'accent sur combien de fois je vais être citée dans tel... Fait que j'ai cette chance-là. La médecine, c'est superbe, puis je pense qu'il y a de quoi s'inspirer de ça, donc on est dans la cité, là. Moi, j'ai envie de nourrir la bête, mais en lui donnant des bonnes choses à manger. C'est pas incompatible, j'imagine. Donc, je dirais ça. Moi, je suis professeur plutôt heureux, on va dire. Donc... Oui, moi, je pense, Marie-Josée, que tu as tout à fait raison. On doit se moderniser, on doit continuer, on doit faire évoluer l'université. Il n'y a pas que l'université. Pour que l'université puisse évoluer, pour qu'on puisse utiliser, par exemple, d'autres modes d'évaluation des professeurs pour les promotions en carrière, ben, il faut aussi que les organismes subventionnaires évoluent. C'est tout un système. On en fait partie, on est au cœur de ce système-là, il faut commencer chez nous. Mais il faut penser aussi plus large que l'université toute seule. Ben moi, au risque d'être nihiliste, il y a quelques années, été troublé de lire un article qui disait qu'en moyenne, chaque publication scientifique était citée une fois. Puis je me suis dit, à quoi ça sert de continuer à écrire des articles scientifiques quand je perds une performance dans la rue et je parle à 1000 personnes? Mais je parle à 1000 personnes de mes projets de recherche scientifique. Mais peut-être pas dans un langage avec une introduction, matériel et méthode, conclusion, 8 figures, références, remerciements, etc. Donc je pense que la bête a besoin d'être en mutation. On a besoin de transformer cette bête-là et de reconnaître que tel l'hydre ou Cerbère, il peut y avoir plusieurs têtes puis qui ne mangent pas nécessairement la même chose. Et c'est vrai que si on est au service uniquement de nos collègues ou du collègue qui a lu, qui est intéressé, la seule personne dans le monde qui comprend ce que je fais comme scientifique, ben peut-être que c'est un mauvais investissement de fonds publics, là. Mais je ne renie pas l'université, mais je pense qu'il y a d'autres façons, avec le même savoir, de le transmettre par des voies différentes. Donc, c'est ce que j'essaie de préconiser. J'utilise le terme de paradisciplinarité dans ce que je fais, c'est que je fais de l'art et de la science en parallèle, et puis ben, les langages sont différents, les objectifs sont différents, les discours sont différents, les publics sont différents, et tant mieux, il y en a pour tout le monde. Je pense qu'il y avait une question là. Oui. Moi, j'ose pas. Mais oui. Parce que je suis un peu comme François-Joseph. Même si je suis citée, ou Brahms est cité comme exemple de l'interdisciplinarité, cerveau, musique, art et sciences, mais c'est extrêmement difficile. Et il y a beaucoup d'obstacles. Et un de ces obstacles, et que vous n'avez pas dit, donc il faut que je le dise, c'est les problèmes de territoire et aussi de comment on est perçu. Puis pour l'instant, ben, tous ceux qui disent cerveau ou neurosciences dans quelque chose, et je le fais aussi, même dans mon livre, j'ai mis neurosciences dans le titre. Pourquoi ? Parce que je sais que ça plaît. Et parce que bon, je parle de psychologie de la musique, en fait, de science. Et on est maintenant, pour l'instant, dans une guerre qui continue depuis 40 ans. Je vais oser, avec la musicologie. Et ça m'a surprise. Je veux dire, on nous a rassemblés 40 experts, 20 de musicologie, de par le monde, hein, 20 de neurosciences, psychologie. En fait, il y en avait très peu de neurosciences, j'étais la seule. Et wow, oh, wow. J'ai quitté, c'est la seule fois de ma vie. C'était l'an dernier. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que dans leur scénario, je parle cinématographique maintenant, mais c'est juste, aujourd'hui, c'est la fête.
Hein, on se parle, on s'aime, on aimerait tous pouvoir passer un temps fou ensemble et puis échanger. Mais dans la réalité, mais c'est pas ce qui se passe, c'est que pour l'instant, dans certains domaines, on a l'argent, on a la visibilité, on en a même trop parfois, c'est vrai. Et puis, il y a ceux qui en souffrent, qui ont toujours souffert, mais qui souffrent encore plus. Et ça nuit à ce genre de célébration qu'on a aujourd'hui. Oui, tout le monde peut jouer l'espace d'une journée et demie, mais c'est un obstacle. L'autre obstacle que j'ai aussi réalisé, on a créé un cheminement hyper excitant en neurosciences cognitives qui est « Nous reconnaissons la musique hein ». C'est ce que j'y tiens beaucoup. Et les étudiants me consultent chaque année en disant « C'est quoi les débouchés ?» Alors moi, je fais mon blabla habituel, puis je vérifie. Eh bien, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Je pensais qu'ils pouvaient rentrer en musique, par exemple. Pas du tout. Ils peuvent pas. Ils doivent refaire un bac. Ils peuvent rentrer en musicothérapie. Il faudrait un peu plus de musique. Peuvent rentrer en neuropsychologie. Non, il faudrait un peu plus de psychologie. Je veux dire, c'est incessant. Alors, c'est une réalité. Bien sûr, on peut rendre nos programmes souples, et tous les étudiants veulent ça, avoir un peu plus de souplesse dans les programmes. Mais il y a une réalité, et ça, c'est vrai, c'est la vraie vie. Là. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce diplôme? Ils peuvent avoir une double vie, et puis j'applaudis ça, la poésie et la psychiatrie, merveilleux. J'ai toujours dit que les médecins avaient deux cerveaux. Mais la réalité est un peu autre, et en académique comme à l'extérieur. Alors, je ne veux surtout pas être la dernière à parler. Alors, moi, je ne voudrais surtout pas qu'on termine sur cette note-là quand même non plus. Donc, je vais me permettre de dire que oui, oui, il y a des difficultés, mais il y a des avancées. On voit des programmes interdisciplinaires, des vrais programmes interdisciplinaires. On voit des initiatives intersectorielles en formation, en recherche, bien entendu. Et je pense réellement qu'il y a de plus en plus d'ouverture face à ça. Donc, il y a quand même une lueur au bout de ce tunnel. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que ce n'est pas réglé. Nos structures universitaires, la territorialité, il y a toutes sortes d'enjeux. Mais moi, je suis assez optimiste. Je vais rebondir un tout petit peu sur le point d'Isabelle. Merci Isabelle de nous remettre sur Terre pendant quelques minutes. Mais là, on va revenir en haut. Est-ce que vous ne pensez pas que, disons, certains de ces points qui ont été soulevés, en fait, remettre toujours maintenant en question des importantes distinctions disciplinaires, l'exemple classique entre les sciences humaines et les sciences naturelles, avec des approches, bon, on parlait de la musicologie, la musique c'est un bon exemple, parce que d'une certaine manière on retrouve tous les différents acteurs et champs disciplinaires à l'intérieur, qui parfois se parlent, parfois ne se parlent pas, encore. Est-ce que ça ne demandera pas un changement non seulement dans les projets intersectoriels, mais aussi un changement des générations, qui est un changement paradigmatique dans lequel chacun va peut-être descendre du trône de sa propre discipline un peu plus humblement et commencer à regarder les autres disciplines comme un point de vue différent vis-à-vis d'un objet d'étude qui est quand même relativement le même? Donc ma question, c'est de savoir, est-ce que faire de l'intersectorialité, promouvoir des projets intersectoriels, c'est une très belle idée, mais ensuite il faut peut-être aller plus en profondeur, effectivement creuser dans ces clashs parfois disciplinaires qui existent, et qui d'ailleurs on supporte par les mêmes financements. Donc on a l'IRSC d'un côté, on a les sciences humaines de l'autre côté, donc d'une certaine manière le système renforce cette distinction entre sciences humaines, par exemple, et sciences naturelles. Quelle est une avenue possible? Parce qu'évidemment, si on reste sur ces points, on va tourner en rond. À un certain moment, on se retrouve, bien sûr, à parler d'intersectorialité, et ensuite, on se retrouve face
à la complexité des choses et ensuite à ces cas, disons, chacun d'entre nous à faire face à un mur. Et quelle est une des possibilités, disons, pour essayer d'aller au-delà de ces barrières? Bien, la possibilité, c'est que les gens comme nous, sur scène et dans la salle, deviennent des ambassadeurs et qu'on fasse la promotion de l'intersectorialité au quotidien, pas simplement en venant dans des tribunes où nous sommes entre nous, mais en recrutant dans son laboratoire. Moi, j'ai une historienne de l'art, non, je suis au département de biologie, j'ai une historienne de l'art, je travaille avec des étudiants en philosophie, en sociologie, en une sage-femme, en bioinformatique. Donc, si pour moi, c'est un plus-value d'avoir un étudiant qui ne vient pas d'un profil linéaire dans mon laboratoire, ben, ces étudiants-là, par la suite, vont sans doute essayer de propager la bonne nouvelle de la même façon. Donc, le jour où, dans des comités de sélection pour engager un professeur en biologie, on va voir, ah, il y a quelqu'un qui est également poète, et qu'on va dire, peut-être qu'on va faire venir cette personne-là en entrevue, puis après ça, on verra. Ben, plutôt que de dire, ah non, cette personne-là n'est pas assez disciplinaire, je pense que ça va déjà casser ce moule-là. Donc, si chacun d'entre nous le faisons, qui sommes intersectoriels, le fait individuellement, ça va changer la structure et puis bien, la pyramide va graduellement s'inverser. Donc, je pense que ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça, mais les programmes Audace sont simplement la troisième itération. Bien, les gens qui ont été formés, je suis titulaire d'un programme Audace, bien, je travaille avec des gens en droit, en philosophie, en sciences politiques, en sécurité publique, le laboratoire de sciences judiciaires et, ah oui, il y a aussi un biologiste, mais c'est la partie mineure du projet. Bien, je pense aussi qu'il faut mettre en place des leviers. Tu as déjà mentionné le programme Audace. En enseignement, nous, on a créé, on a fait un appel à projets, c'est la deuxième édition cette année, pour des projets interfacultaires, interdisciplinaires en enseignement, avec du soutien financier, du soutien pour libérer du temps pour les profs qui veulent s'engager dans ça. Alors, ça fait boule de neige, tranquillement, on en fait. Ça, c'est, je pense, mettre des leviers en place pour faciliter le développement. Puis à l'enseignement, effectivement, si nous, professeurs, développons des cours dans lesquels la dimension intersectorielle est présente, eh bien, on peut susciter justement les intérêts des étudiants, et qui ont d'ailleurs, moi je l'ai noté ces dernières années, vraiment des étudiants qui arrivent effectivement avec des parcours extrêmement variés, et qui arrivent donc avec des formations intellectuelles qui sont uniques, très intéressantes, et avec lesquelles on va faire des projets donc très spécifiques, avec... On va dire un étudiant qui arrive formaté en histoire de l'art, je ne vais pas pouvoir faire le même projet de recherche avec lui que je vais faire avec un étudiant qui a fait cinéma, musique et littérature comparée, par exemple. Or, ça arrive, et donc c'est excitant, finalement. Et donc, c'est une question de génération, je pense aussi. Mmh. En tout cas, moi, je l'observe, c'est vrai. Mmh. Mais peut-être, je rajouterais peut-être aussi de se mettre dans la position de mentaliser ou de saisir un peu comment l'autre nous perçoit exactement. Puis, je pense une fois, j'avais été invitée à une activité sur l'intersexualité en littérature. Puis, je pense qu'un peu l'écho que les gens avaient, c'est un peu l'impression que la médecine sortait du ciel, Dieu descendait sur la terre et allait chercher ce qui lui convenait dans la littérature pour nous rendre plus empathiques ou plus humains, comme si eux finalement étaient un instrument pour comme apporter de l'eau à la médecine. Fait que je pense que c'est un peu la vision qu'ils avaient des médecins de la médecine, puis c'est un peu de défaire ou déconstruire ça dans une approche, parce qu'il faut le dire, là, la médecine est plus reconnue que la littérature, les neurosciences sont plus reconnues que la musique. C'est un problème qui est social, qui est culturel, tant qu'à moi, qui dépasse l'université, mais peut-être que nous-mêmes aussi, on peut avoir cette posture un peu d'humilité. Puis moi, je considère que la littérature a beaucoup plus de choses intéressantes à apporter à notre société que la médecine actuellement. Mais donc, de nommer ça, de reconnaître aussi comme savoir, ils sont une fin en soi, ils ne sont pas seulement des moyens pour nourrir les neurosciences, nourrir la médecine, nous rendre plus humains. Donc, c'est d'essayer de saisir la perception de l'autre, finalement. Là, ouais. C'est mon côté psychiatre. Je vais juste faire un petit mot de fin sur une approche extrêmement positive. Je pense qu'on peut discuter des difficultés, des défis de l'intersectorialité, mais en fait, je pense que l'intersectorialité est là pour y rester. Si on regarde, puis on a juste, je pense, pour voir comment on est obligé de la développer, c'est de voir les défis sociaux, sociétaires, économiques, développement de l'intelligence artificielle, etc.
Si le milieu académique se penche ou s'intéresse à ces problématiques-là qui nous arrivent, développement durable, les défis qui vont être liés à l'environnement, changement climatique, etc., il n'y a pas une discipline qui seule peut se vanter de pouvoir s'attaquer à ces grands changements sociaux, économiques, politiques qui vont se passer sur la planète. Donc, je pense que si on rive aussi nos yeux sur l'extérieur, je pense que définitivement, les disciplines vont devenir, restent complètement importantes, mais que c'est l'ensemble des disciplines ensemble qui vont pouvoir aussi faire avancer la société. Donc, moi, je reste extrêmement positive. Il y a clairement des défis, mais je pense qu'on n'a juste pas le choix de la développer. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit et j'aimerais un peu rebondir sur ce qu'Isabelle disait. Je pense que quand on regarde l'histoire du développement des disciplines universitaires, ce qu'on constate depuis au moins peut-être 50 ou 60 ans, c'est que presque toutes les disciplines qui émergent sont des disciplines bio, chimie, astro, physique. Alors, déjà, on est dans un modèle d'émergence de l'interdisciplinarité. Et où chacune des disciplines se nomme, mais on comprend que ça développe quand même un nouveau champ de savoir, une nouvelle spécialité, puis des spécialistes. Ce qui apparaît maintenant de plus en plus, c'est des boîtes encore plus multi, par exemple gender studies, sexologie, écologie, media studies, et toutes des champs, on pourrait dire des domaines d'études qui émergent complètement avec de nouveaux objets d'études et qui, là, évidemment, on pourrait dire, sollicitent plusieurs disciplines, puis je ne les nommerai pas toutes, parce qu'on ne pourrait pas toutes les nommer. Il va y avoir des anthropologues, des biologistes, etc., des généticiens, etc. En fait, le problème qui se pose, probablement pour les organisations et la gestion des universités, des facultés et des départements, mais ça, ce n'est pas mon problème là. C'est notre problème au fonds de recherche. C'est comment gérer de plus en plus de projets ad hoc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux projets qui se présentent avec les mêmes spécialités, dosés de la même façon. Puis même un biologiste, ils ne proviennent pas tous de la même biologie. Un informaticien non plus, un mathématicien non plus. Enfin, ça devient très complexe à gérer. Puis là, c'est vrai que chez nous, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination du côté des agences qui financent la recherche, parce qu'il faut trouver des moyens d'évaluer correctement et d'être avec des évaluateurs, des comités d'évaluation représentatifs ou compétents pour comprendre de quoi il s'agit. Il faut que le comité puisse se comprendre comme comité. Et puis c'est vrai qu'on comprend qu'il n'y a pas de spécialiste. Un spécialiste qui serait spécialiste de son domaine n'a pas de place sur ce comité-là. Enfin, c'est vrai que ça nous demande de trouver des évaluateurs qui sont de plus en plus nombreux. On n'était peut-être pas habitués à les trouver ou même à les chercher. Mais ce n'est pas simple. Ça prend des gens ouverts, curieux, ingénieux, certainement qui peuvent se mettre dans plusieurs scénarios là, autour de la table. Enfin, ce n'est pas un défi simple, mais c'est un beau défi. Puis c'est surtout un très beau défi pour l'avenir du savoir. Parce qu'on réalise qu'effectivement, les problèmes sont de plus en plus complexes. Il n'y a aucun, comme disait Sharon... Derry, il n'y a aucun problème qui est disciplinaire. Et nos problèmes de société actuellement ne sont certainement pas disciplinaires. Et donc, interpellent des façons de pouvoir échanger, enfin. Je n'ai pas de questions, là, mais j'avais un rebondissement. Et je comprends, Isabelle, c'est un immense casse-tête dont tu parles. Mais, ouais, le souligner. Ouais, et c'est vrai que les étudiants qui arrivent avec François-Joseph, tu es un excellent exemple. Tu aurais beaucoup de mal aujourd'hui à trouver un poste dans un département. Alors, il faudrait que ce soit un département pas mal ouvert. Mais alors,
peut-être qu'il y a de la place pour de nouveaux départements avec de nouvelles disciplines représentées, comme Gender Studies. Je veux dire, et les études féministes sont aussi un très bel exemple, qui ont une cinquantaine d'années, mais elles n'ont pas pu s'établir comme discipline universitaire du jour au lendemain. C'était et la même chose pour les Gender Studies, la même chose pour les médias, pour l'écologie. L'écologie, on en parle depuis au moins 50 ans. Ça a pris beaucoup de temps avant que ce soit reconnu comme une science sérieuse. Ça avait l'air d'être une espèce de... Bon, enfin, tout à merci. Merci. Ben, je pense que sur cette note positive, on s'arrête. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à Simone Della Bella, Mme Louise Béliveau, M. Denis Ribouillot, Mme Oussana Younsi et M. François-Joseph Lapointe. Merci.